Disponible le 31 janvier prochain, la série documentaire Pamela, A Love Story revient sur l'histoire de l'icône des années 1990. Dans ce projet où elle promet de se révéler en toute intimité, Pamela Anderson revient notamment sur les abus sexuels dont elle était victime durant son enfance. Des violences perpétrées par sa babysitter. Si estime en 1989 que son destin connaît un tournant. Remarquée dans les pages du magazine Playboy, Pamela Anderson enfile son maillot de bain rouge pour devenir l'emblématique actrice d'Alerte à Malibu en 1992. À l'écran, la blonde aux formes vertigineuses se fait connaître du grand public et accède rapidement à la célébrité qui se voit accrue en 1995 par la fuite de sa sextape avec son mari Tommy Lee, relatée dans la série Pam et Tommy, sortie en février 2022. Une diffusion massive de son intimité sur Internet qui, si elle la propulse sous le feu des projecteurs, rattache sans cesse l'américaine à l'inévitable stéréotype de la bimbo peroxydée. Aussi, si estime avec une série documentaire que Pamela Anderson compte bien reprendre le contrôle de son histoire. Dans Pamela, A Love Story, à paraître le 31 janvier prochain, et également au travers d'un livre publié en parallèle, l'ex-compagne de Kelly Slater se dévoile en toute intimité et raconte son propre récit. Parmi ses confidences, elle reviendra notamment sur son enfance et certains événements délicats, comme les abus sexuels dont elle a été victime de ses 4 à ses 8 ans. Cela a duré 3 ou 4 ans, ce sont des traumatismes d'antan que l'icône hollywoodienne souhaite aborder dans ce projet biographique. J'ai vécu des choses horribles, petite, déclare-t-elle en référence aux abus sexuels dont elle accuse sa babysitter, selon les informations de Madame Figaro. Mes parents la trouvaient géniale parce qu'elle amenait des cadeaux, mais elle abusait de moi. Cela a duré 3 ou 4 ans. Elle me disait de ne rien dire, déclare-t-elle alors pour relater cette situation. Pendant ces moments traumatisants, je quittais mon corps et flottais dans mon propre monde. Je creusais un tunnel vers la Chine et je me disais, je déteste ça. Je veux partir d'ici. Je pensais qu'il me fallait quitter l'île, poursuit l'ancienne candidate de Danse avec les Stars. Face à ces violences, la petite fille a voulu protéger son frère par tous les moyens. J'ai essayé de protéger mon frère. J'ai tenté de la tuer, de la poignarder en plein cœur avec un sucre d'orge. Je lui ai dit que je voulais qu'elle meure, et elle est décédée dans un accident de voiture le lendemain, se souvient-elle. Un décès d'une fâcheuse coïncidence qui l'a longtemps poussée à porter la responsabilité, telle qu'elle le déclare, « Je croyais l'avoir tuée par magie et que je ne pouvais en parler à personne. J'étais sûre d'être coupable. » J'ai souhaité sa mort et elle est décédée. J'ai vécu avec cela toute mon enfance. Un passé douloureux sur lequel elle revient sans concession.